Voice of Cameroun, la voix de l'espérance. L'or, l'argent et le vermeil, les métaux les plus précieux de la République épinglés sur le torse du personnel méritant de l'entreprise Razel au Cameroun. 473 récipiendaires au total, recevant des mains du ministre Grégoire Ogona du Travail et de la Sécurité sociale, des médailles à travers lesquelles s'exprime la reconnaissance de la nation pour leur contribution au développement de leur pays. Mais dès lors qu'elle vous est accordée, c'est bien par au nom du chef de l'État qu'elle vous est remise, et par là même, c'est la reconnaissance de la République, la reconnaissance de la nation tout entière. Cette journée du 27 avril 2023, le top management de Razel Cameroun l'a voulu historique. Une occasion qui lui a permis de réitérer sa promesse de ne jamais faillir dans ses engagements avec ces hommes et femmes qui en constituent la force ouvrière. C'est la fête de notre entreprise. Mon BTP, c'est pas forcément bien sûr plus adapté, mais on a beaucoup de femmes chez nous et elles ont beaucoup aidé à moderniser le fonctionnement. Il y aura 16 médailles pour les femmes. Message reçu par les destinataires, reconnaissant pour tous les efforts entrepris par la hiérarchie malgré les difficultés conjoncturelles connues de tous. Une distinction est reconnue pour la reconnaissance des mérites dans les tâches accomplies. Loin de nous l'idée de présenter le mérite de l'ensemble des travailleurs. Nous portons une attention particulière à la reconnaissance des efforts consentis par ceux qui, en ce jour, je reconnais que c'est le fruit du travail que je l'ai fait pendant 26 ans. Je suis très content, très fier de moi-même déjà pour commencer. Et sans oublier mon épouse qui a passé du temps à me soutenir, que ce soit sur la pluie ou sur le soleil. Les mots me manquent pour exprimer ma joie et la gratitude envers l'entreprise et le ministère du Travail. De prochaines performances seront atteintes. Promesses que se sont mutuellement faites employés et patrons de Razel. Une belle unité que des clichés immortalisent pour la postérité.